what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui pour une recette salée, on va faire des brochettes, enfin brochettes façon kefta un petit peu, façon kebab aussi. Voilà, un mélange de plusieurs recettes. En fait kefta parce qu'on va faire les kefta traditionnels, vous voyez, sur un style brochette, voilà. Et kebab parce que je vais les servir dans des pains pita que j'ai fait maison avec des petites tomates, du houmous. Enfin voilà, j'ai mélangé un petit peu tous les continents en fait dans cette recette. Mais vous allez voir, le résultat est vraiment très très bon. Alors les kefta, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un mélange bœuf-agneau. Je trouve que du coup la viande, enfin les brochettes sont moins secs en fait, la viande est moins sec. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'agneau, vous pouvez mettre que du bœuf si vous voulez. Mais voilà, ça apporte un peu plus de moelleux aux brochettes. Pour ces brochettes, enfin pour ces kefta, on va avoir besoin, comme je vous ai dit, moi j'aime bien mélanger de l'agneau. Donc il y a 200 g d'agneau et 400 g à peu près de bœuf haché. Ensuite il va nous falloir des épices, beaucoup d'épices. Alors là j'ai une cuillère à soupe, une cuillère à café d'oignon, une demi-cuillère à café d'ail. Alors tout ça c'est déshydraté, hein. Ensuite j'ai de la coriandre, une demi-cuillère à café de coriandre, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika. Moi c'est du paprika fumé, ça ça apporte le petit goût de fumé. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que du fumé, que du paprika normal. Une demi-cuillère à café de curcuma et un peu de cannelle. Moi j'ai mis 1/8 de cuillère à café de cannelle. Si vous voulez, si vous aimez ça, vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre un peu plus. Du sel et du poivre. Et il va nous falloir aussi des brochettes en bois pour pouvoir former les kefta ensuite. Alors là ça va être assez simple, on va tout mélanger les ingrédients. Mais de toute façon c'est une recette qui est très simple, hein, je vous le dis. Hop. Donc j'ai mon bœuf, mon agneau, toutes mes épices. Je vais saler, poivrer. Alors et moi, pour mélanger des farces comme ça, j'aime bien utiliser mon robot. Je mets la feuille et j'utilise le kitchen ou un robot pétrisseur, hein, celui que vous voulez. En fait du coup on a un mélange qui est plus homogène et ça m'évite aussi de mettre les mains dedans. Pour l'agneau haché, je sais que ça peut être un peu dur de le trouver, alors soit vous le hachez vous même vous achetez de l'épaule par exemple, vous l'hachez vous même ou soit au boucher peut-être, demandez lui pour pouvoir avoir de la viande hachée. Peut-être plus dans les boucheries orientales. Là, vous aurez peut-être un peu plus de facilité pour les trouver. On y va pour le façonnage. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est juste pour calibrer mes brochettes et avoir des brochettes qui sont toutes de la même taille. J'utilise un truc à glace comme ça, enfin une cuillère à glace. Et comme là, j'ai pris 3 boulettes à peu près. Donc, je vais quand même devoir utiliser les mains. Hein. Donc, vous lavez correctement les mains ou vous mettez des gants si vous le souhaitez. Donc on vient faire une grosse boulette, on prend une brochette, on va venir l'enfoncer au milieu et on va venir bien appuyer et allonger un petit peu le truc pour avoir, voilà, quelque chose qui soit bien collé à la brochette, style un gros saucisson en fait qu'on met autour. Alors on fait en sorte que ça soit, vous voyez là ma main elle se ferme autour. Faut pas que ça soit trop épais pour que au niveau de la cuisson ça cuit bien aussi. Une fois que ça c'est fait, on met de côté et on fait la même chose avec les autres. Donc voilà, donc une fois qu'on a formé, donc moi là j'en ai fait 4, je les ai fait très grosses, on peut les faire plus petites et en faire 2 par personne, mais en fait je les ai fait grosses parce que j'ai fait mes pains pita maison et j'ai fait exprès de faire des gros pains pita. Vous voyez, je vous ai filmé la recette, elle est sur le blog si vous voulez. Et là du coup on va pouvoir mettre la brochette directement au milieu et la garnir avec le reste des ingrédients qu'on va préparer. Donc c'est pour ça que je les ai fait un peu plus grands, j'ai compté un par personne du coup. Donc ces brochettes là, moi je vais les mettre pour l'instant, ces kefta, je vais les mettre au frigo. Pour les faire cuire, vous pouvez les faire cuire à la poêle, au grill ou même au barbecue si vous le souhaitez, si le temps chez vous le permet d'allumer le barbecue. Alors, comme je vous ai dit, en accompagnement, je vais les servir, donc ces kefta, dans des pains pita avec différents préparations dont
du houmous. Donc du coup je vais vous montrer comment je fais mon houmous maison. La recette, si vous voulez, il y a une recette sur le blog qui est houmous du potager. Donc c'est toujours la même base du houmous qu'on va faire là. Le seul truc, c'est que je rajoute des petites tomates cerises dessus, des pignons de pin, du basilic, de l'huile d'olive. Enfin voilà, c'est vraiment très très bon et c'est très coloré et tout. Servir à l'apéro là avec les beaux temps qui devraient arriver, c'est pas mal. Bref, donc là la recette du houmous, du coup c'est la même base que celle du houmous du potager qui est sur le blog. Donc il faut des pois chiches, de l'ail, gousse d'ail, jus de citron, du tahini. Alors le tahini, c'est de la pâte de sésame, c'est du tahin, tahini, enfin je sais pas comment vous dites ça, enfin je pense qu'il y a plusieurs façons de le dire. Moi je la trouve celle-ci, je la trouve à grand frais, voilà. Du sel, du poivre, je vous ai dit, de l'eau, voilà. L'eau, c'est pour liquidifier un petit peu, pour éviter d'avoir une pâte qui soit trop épaisse. Donc on prend les pois chiches, donc à peu près une boîte. Alors moi là j'ai une demi-boîte, j'ai 200 grammes. Vous pouvez prendre une grosse boîte si vous voulez en faire beaucoup. Donc du coup la recette qui est sur le blog, je vais la diviser par deux. Donc des pois chiches, hop, qu'on a rincé et lavé. Alors moi je m'amuse pas à enlever la peau, hein. Si vous voulez vous pouvez le faire, mais ça me dérange pas, on va dire. De toute façon, tout est mixé, donc... Alors, pour celles qui ne savent pas, en fait, il y a une petite peau ici, vous voyez, sur le pois chiche. Et il y en a qui s'amusent à les enlever, enfin, qui s'amusent. Parce que franchement, c'est un jeu de patience, hein, prendre chaque grain et l'enlever, voilà. Mais voilà, moi, je le fais pas. Donc du coup ici je vais essayer de rajouter la lame. On va rajouter le jus de notre citron, notre cuillère à café de tahini, la gousse d'ail. Donc la cuillère à café, hop, c'est ce qui fait le goût du houmous, hein. Donc si on met pas, voilà, ça a pas le même goût. Je vais rajouter déjà la moitié d'un jus de citron. Comme je vous ai dit, je fais la moitié de la recette, donc s'il faut, j'en rajouterai un petit peu après. Alors j'ai rajouté une gousse d'ail. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc comme je vous ai dit, j'ai divisé la recette par deux, hein. Je vais rajouter pour l'instant une cuillère à soupe d'eau, mais j'en mettrai sûrement une deuxième après. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on mixe. En fait, c'est très très simple à faire. Et moi, j'adore aromatiser mon houmous. Alors, mettons avec du poivron grillé, des tomates séchées, des olives. Ça change et c'est parfait pour l'apéro. Ça avec des petits crackers ou des petits bâtonnets de carottes ou des petits légumes qu'on trempouille dedans. Voilà, il n'y a plus qu'à mixer ça. Alors, ça va être en fonction de la consistance. Vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est encore un peu trop épais et pas assez lisse à mon goût. Donc là, on rajoute de l'eau. En fonction de, voilà, de la consistance que vous souhaitez, vous rajoutez plus ou moins d'eau. Donc là, moi, je vais rajouter encore au moins 2 cuillères à soupe. Surtout que je veux quelque chose, comme ça va nous servir un peu de sauce dans nos kebabs, je veux quelque chose qui soit bien lisse et onctueux. Là j'ai la bonne texture, enfin celle que je veux. Donc du coup je vais la mettre dans un pot et ça va aller au frigo. Vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement aussi, hein. Alors on continue au niveau de l'accompagnement du coup de notre kebab. Alors j'ai pris un bloc de feta que je vais émietter un petit peu. On mettra comme ça quelques morceaux sur le dessus. Voilà. Donc je l'écrase juste entre mes mains, entre mes doigts. Pour faire des grosses pépites en fait. Alors toujours pour l'accompagnement, j'ai pris des petites tomates. Alors moi j'ai choisi de prendre un mélange de tomates cerises. Vous pouvez prendre que des petites tomates rouges si vous voulez, ou que des tomates normales, c'est à vous de voir. Donc là moi j'ai pris des jaunes et des rouges. Je les ai coupées en deux. J'ai ajouté du persil et un tout petit peu de menthe. Alors vous en mettez en fonction de vos goûts. Alors la menthe parce que ça va très bien avec la feta et avec les épices qu'on a mis dans les kefta. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'en ai vraiment mis un tout petit peu parce qu'il ne faut pas que ça soit trop prononcé, parce que autrement Greg n'aime pas. Et puis le persil, c'est à volonté. Enfin voilà, en fonction de ce que vous aimez. On va ajouter le jus d'un demi-citron.
Et je vais mettre deux échalotes. Alors là, moi, j'ai des échalotes nouvelles. Donc, je vais mettre des échalotes nouvelles. J'aurais peut-être pas dû mettre les pépins dedans. Mais vous pouvez mettre des échalotes, voilà, normales. Hein, de... Voilà. Moi, je vais mettre le vert comme ça. Toi, tu reviens ici. Petit eau. Ah ! Voilà. Donc, je vais mettre des échalotes, comme je vous ai dit, des échalotes nouvelles. J'avais une belle botte, mais si vous voulez, vous pouvez mettre des échalotes ou même des oignons rouges aussi. Donc là, je vais les ciseler. On va saler et poivrer et mélanger. Et je pense que les accompagnements, ça va être bon. On va pouvoir faire cuire nos kefta. Voilà, donc j'ai rajouté du sel, du poivre. On va mélanger correctement. Et on va mettre de côté. Alors, pour nos brochettes, on va juste les faire cuire. Alors, moi, je vais les faire cuire à la poêle parce qu'il fait pas très beau dehors. Mais on pourrait les faire cuire au barbecue ou sur un grill aussi si on le veut. Donc là, moi, je ne vais pas mettre d'huile, rien du tout. Je vais les faire cuire comme ça à sec, à peu près 3-4 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient cuites à cœur. Alors, le fait de les avoir mis au frigo, elles se tiennent bien sur le bâton du coup. Voilà. Alors, le temps que nos brochettes cuisent, on va refaire un petit point sur l'accompagnement. Donc, en fait, on a nos pains pita, nos beaux pains pita maison. Comme je vous ai dit, je vous ai filmé la recette. Elle sera en ligne sûrement la semaine prochaine. Ou si vous voyez cette vidéo avec un petit peu de décalage, elle est déjà en ligne. Elle est sur le blog ou sur la chaîne. Vous tapez pain pita, vous allez la retrouver. Donc là, je vais juste les faire réchauffer un tout petit peu. Ensuite, on mettra le houmous qu'on a fait tout à l'heure maison. On en met une bonne couche. On va venir déposer notre petite brochette de kefta dessus. On mettra notre petite salade de tomates qu'on a fait, quelques petites olives noires et un petit peu de feta émietté. Voilà, et on mange comme ça roulé. Voilà. Donc voilà pour la recette du jour, un petit peu estival quand même. Si vous avez la chance de pouvoir rallumer votre barbecue, n'hésitez pas. Ça ne sera que meilleur. Donc je vous mets un petit visuel de l'assiette et je vous mets aussi un petit visuel de la fiche recette comme d'habitude que vous pouvez retrouver en lien en barre d'infos sur le blog si vous voulez la télécharger. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette ou à tout à l'heure sur le coup de 18h pour un vlog. Bye, bisous. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.